Va à l'isolement parce que sur la tête de ma mère, à la première promenade où on va te filmer, au début on va être sympa avec toi, on va te hagar, va vite à l'isolement. Au moins garde ton image. Moi je vais te donner, quand tu vas sortir de prison, vu que toutes les femmes aujourd'hui c'est des p*** presque, tu seras encore plus admiré parce que même enceinte t'as combattu en prison. Ah bébé chéri. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Sur la tête de ma mère, vous direz que Bassem, il ne l'a pas dit. Il va avoir une télé-réalité sur son histoire. Donc là, apparemment, elle est tombée pour extorsion de fonds. Ça veut dire qu'elle a vu un juge d'instruction. Ça veut dire qu'elle est en mandat de dépôt criminel. Elle n'est même pas en correctionnel. Elle est en mandat de dépôt criminel. Ça veut dire que peut-être son affaire, elle peut tomber en correctionnel. Mais pour l'instant, elle est en mandat de dépôt criminel. C'est pour ça que je te dis, Kenza, pour préserver ton image, va à l'isolement. Vite, vite, va à l'isolement. Tu vas parler avec quatre murs, c'est pas grave. Va à l'isolement. Va à l'isolement, tu vas te faire piétiner en promenade. Va à l'isolement. Il y a des meufs, elles sont déjà en train d'envoyer des PCS à d'autres meufs pour qu'ils te boulent, pour qu'ils te fassent glisser. Je te le dis, moi. Va vite à l'isolement.